Nous avons vu Street Fighter 2 sur Super NES, Street Fighter 2 sur Mega Drive, mais pas encore Street Fighter 2 Prime pour la console NEC PC Engine. Eh bien, c'est le moment. Que tous les NEC fans se réjouissent. Street Fighter débarque enfin sur leur machine adorée. Et ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est le 2 prime. Pour cela, il aura fallu muscler de façon conséquente la capacité de stockage de la cartouche NEC pour la monter à 20 mégas. Un véritable tour de force. Alors, quelles sont les particularités de cette version NEC? Comme tous les fans le savent déjà, le prime, dans le titre, signifie que l'on peut jouer avec les boss et que l'on peut, également, s'affronter en se servant du même personnage. Que de jolis combats en perspective. Les qualités de cette version NEC sont nombreuses. Pour une console censée faire partie du clan des 8 bits, la Core Graphics s'en sort avec les honneurs. On a presque l'impression de se retrouver en face de l'arcade. La palette de couleurs est on ne peut mieux utilisée, les musiques elles sont digitalisées fidèles à la borne d'origine, c'est vraiment du tout bon. Surtout que la jouabilité, l'élément le plus important, est excellente. Bref, on se rend compte, une fois de plus, que la NEC possède d'énormes possibilités. Dommage que cette console soit mal distribuée et que le prix des jeux soit souvent prohibitif. Mais Street Fighter 2 Prime est un petit bijou qui vaut tous les sacrifices. La note Télévisator, 96%.